monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing d'un diamond painting d'une compagnie que je viens de découvrir qui s'appelle Riolis. Ça, c'est le fabricant ou le fournisseur, je suppose. Mais le site sur lequel j'ai acheté ce diamond painting s'appelle Gvelo Stitch. Donc, je vous mettrai le lien du site de Gvelo Stitch. Et aussi, je regarderai si Riolis ont leur propre site. Mais si Riolis ont leur propre site, vous ne pouvez pas acheter les diamond paintings dessus. C'est-à-dire qu'il va y avoir des autres sites qui vont vendre leurs produits. L'image que j'ai choisie, c'est celle-là, qui s'appelle Poppies, pour les coquelicots. Donc c'est ça. C'est très joli. J'aime beaucoup l'image, vous savez que j'adore le rouge. J'aime les roses, la couleur rose et rouge dans les DP. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ben, ça sera un bon diamond painting à tester. Et il est petit. C'est un 38 par 27. Ça, c'est une image qui est légalement licenciée de l'artiste Anna Petrosian. Et c'est censé être des diamants carrés. Alors, celui-là, il était 35,94 $. Donc, c'est pas donné quand même pour une petite taille. Les frais d'envoi, c'était... Ah, j'avais un 15%. J'avais un 15%, je ne sais plus comment j'ai eu ces 15%. Peut-être que si vous mettez votre adresse email, il vous envoie un 15%. Les frais d'envoi, c'était de 14,85 $. Je l'avais acheté le 3 mars. Je n'ai pas la date à laquelle ils l'ont envoyé, mais je l'ai reçu le 8 mars. Donc, c'était très rapide. En 5 jours, je l'ai reçu. Alors, c'est arrivé comme ça. Très simple. Donc, je vais l'ouvrir. On va regarder ça, comment ça se présente. Il n'y a pas un énorme choix de diamond painting sur leur site. Il y a peut-être une vingtaine, même pas. Mais qui sait, peut-être que dans le futur, ils vont en rajouter. Il me semble qu'il y avait beaucoup de produits de point de croix aussi, pour ceux qui font du point de croix. Alors, il y a une boîte. Et j'ai ça. Je vais regarder s'il y a mon adresse dessus, parce que ça se pourrait... Oui. Ok, ça c'est juste le papier qui me donne les détails de la commande. Et ça vient dans une boîte, c'est vraiment bien emballé, c'est vraiment joli. Alors, ça dit Diamond Mosaic Best of Riolis. Donc là vous voyez, Riolis Collection, on a un numéro de modèle AM007 Poppies. 27 par 38. On va voir si c'est la taille de la toile ou la taille de l'image. Là, il y a l'image aussi. Très jolie. Là, ça nous donne le nom de l'artiste. Anna Petrosian. Je ne sais pas trop comment on le prononce. Et ça nous dit qu'est-ce que ça contient. Donc, la toile, les diamants, des plateaux. Et le reste, enfin, je ne vais pas tout traduire, on va voir ça tout à l'heure. Ouais, la toile est belle. Et là, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose d'attaché. Qu'est-ce que c'est? Ils ont marqué « Thank you ». Il y a une petite note. Enfin, une petite note. Il y a juste ce petit sticker là qui dit « Thank you ». Ah, c'est juste un petit... C'est mignon, ça. On peut le convertir en aimant, je pense, si on veut. C'est joli, ça. Ouais, je sais pas si j'arriverai à le convertir en aimant. Je sais pas du tout. Il va falloir que je teste ça. Et c'est mignon. Alors, on va ouvrir la boîte. On va voir comment le DP se présente. C'est bien emballé. Ah, c'est parce qu'il y a du scotch des deux côtés. C'est pour ça que j'arrivais pas à l'ouvrir. Okay. Alors, comment ça se présente dans la boîte? C'est comme ça. Donc, il y a la toile qui est juste là, avec du plastique autour. Oups. Comme ça. On a les diamants. Oh, waouh. Ok, les diamants, le tourquet, une feuille... Waouh, ça a l'air d'être vraiment bien, ça. Alors, peut-être que ce que je pourrais faire pendant qu'on regarde ça, c'est ouvrir le plastique, là, mettre la toile à plat pour qu'elle
Ou alors le matériel, ça me fait penser à du Diamond Dots, du Mer Designs et Jacquaron. C'est la même chose. Et vous voyez, c'est cousu là. C'est le même matériel pour ceux qui connaissent. Donc c'est plastique, hein. C'est plastique, plastique. Voilà, c'est tout petit. C'est tout, tout petit. Alors, il y a une petite feuille. Je pense que ça, c'est juste les instructions pour faire du DP. Ouais, le manuel. Donc ça, je ne vais pas le garder. Alors, les diamants, il y a tout avec les diamants en fait. Donc, excusez-moi pour le bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, je vois le tourniquet qui est là et les pinces qui sont là. Les pinces, ils les ont mises dans ce petit étui. Et ce sont des pinces qui sont incurvées. Où elles sont plus costauds que ce qu'on retrouve dans les autres kits là. Hein. Il va falloir que je les teste. Elles ont l'air pas mal. Donc ça, c'est le type de pince qu'on a là-dedans. Ah, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever les notifications sur le téléphone. Ensuite, le toolkit. Waouh! Ok, il y a plusieurs choses là-dedans. Alors, on a un plateau triangulaire. Donc ça, c'est bien si jamais vous voulez mettre les diamants qui ne sont pas bons là lors d'un projet dans quelque chose. Ben, il y a un plateau comme ça. Mais il y a aussi un plateau vert comme ça. Un beau morceau de cire. Et il est opaque. Donc ça me dit que c'est de la bonne qualité. Là, le plateau vert, je crois qu'il a. Je vois qu'il a. Il est. Enfin, il est. Ouais. Il est ouvert là. Et on a le stylet avec un 3 placeurs qui est juste là. Le placeur simple, plein de sachets refermables. Et ça pour mettre autour du stylet, pour ceux qui utilisent ces petits stylets-là. Je ne vais pas le mettre, non mais. Voilà le toolkit. Mais c'est pas mal qu'ils ont mis le petit plateau. Ça là. Ça, je le garde. Ça va être pratique. Ensuite. Je vois que pour les diamants, on a une petite étiquette. Oh, j'ai l'impression que c'est autocollant ça. Laissez-moi voir. Faut que je fasse mes ongles. Je crois que ouais, je crois que c'est autocollant. Oui, voilà. Vous voyez, c'est autocollant. Ça, c'est super pratique. J'adore quand ils font ça. Donc du coup, ben, ce que je peux faire, c'est découper. Découper tout là. Et mettre ça sur mes boîtes directement. Et là, il y a le nombre de couleurs. Donc, on a 17 couleurs. C'est pas beaucoup, mais en même temps, l'image est très simple. Voilà les symboles. Ça, j'avoue que c'est pas le plus lisible, hein. Ils auraient dû utiliser un symbole noir sur le fond vert. Mais sinon, le reste, ça va. Ouais, tout le reste, ça va. C'est très lisible. Il n'y a que celui-là qui est un peu bizarre. Et comme je vous ai dit, c'est autocollant. On va voir les diamants peut-être après. Je me demande si on ne pourrait pas retourner la toile maintenant. Je vais juste la plier dans le sens inverse pour l'aplatir un petit peu mieux. Et on regarde ça. Oh, je pense que ça va être beau, ça. Alors là, par contre, vous voyez la lumière du plafonnier. Mais voilà, là. Voilà de quoi ça a l'air. Je la tiens pour que vous ne voyez pas le. C'est joli ça. Alors, ça se pourrait que ça soit un petit peu pixelisé. Est-ce que j'ai l'image originale là? Ouais, elle est là. Vous voyez? Ça, c'est l'image originale. Donc, j'ai l'impression que ça va être peut-être un petit peu pixelisé. Mais je pense que ça va être très mignon. Et ce que j'aime aussi de ça, c'est que c'est une bonne taille pour mettre dans les portfolios. Alors en haut, on a ça, là, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais même pas dans quelle langue c'est. Là, on a Riolis, et il y a une seule légende, mais je veux dire, la toile est tellement petite que ce n'est pas grave, donc voilà la légende. On a juste les chiffres de 1 à... De 1 à 17. On n'a pas les DMC sur la toile. Est-ce qu'on a les DMC sur les diamants? Non. On n'a pas les DMC sur les diamants non plus. Donc, c'est pas grave. J'ai des DMC là-dessus et ça va aller sur les boîtes de toute manière. Donc,
C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Et en bas, là, on a le AM0007. On le retrouve ici, avec ça, mais on ne le retrouve pas sur les diamants. Donc, ce que je vais faire, parce que je ne suis pas prête à la commencer, sauf si vous voulez vraiment que je la commence et que je vous donne mon retour sur la qualité des diamants et de la toile, je vais mettre ça avec les diamants et je vais le remettre dans le sac, comme ça que je sais que ça appartient à ce projet-là. Parce que ça, c'est le même numéro que la toile. Parce que je garde mes toiles et mes diamants séparés, moi, les uns des autres. Au niveau des symboles sur la toile, on va les regarder. Alors, voilà la qualité des symboles. C'est un peu flou. C'est pas le mieux que j'ai vu, là, mais ouais. Heureusement qu'elle est petite, ça me fait penser à du Dreamer Designs. Hein. Mais je pense que ça, c'est dû à la qualité de la toile. Ouais, c'est flou, ça. Oups. Dans le rouge, c'est flou. Je crois que je vais avoir du mal dans le rouge. Mais regardez, je vais la faire. Et je vais vous donner mon avis. Ma caméra, elle a du mal. Voilà la qualité des symboles. Au niveau de la colle. Oh oui, ça colle très très bien. C'est de la colle coulée parce que ça ne dépasse pas. Colle montée, généralement, ça dépasse. Mais regardez, il va falloir que je vous donne mon retour sur ça. J'avoue que le seul négatif que je vois là pour l'instant, c'est la qualité des symboles. C'est très flou. Mais comme j'ai dit, elle est petite, donc... Donc, on a vu la légende. On va regarder maintenant les diamants. On a dit qu'on avait 17 couleurs, donc c'est numéroté. Mais c'est pas numéroté dans l'ordre. Ah oui, c'est numéroté dans l'ordre. C'est juste qu'on a beaucoup de noirs, en fait. Donc, il y a le 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc j'ai mes 17 diamants. Donc on va regarder la qualité. Donc là, je pense que le 1, c'est du 310. Oui, c'est du 310. Mais je sais qu'à la caméra, j'ai tout le temps du mal à vous montrer le 310. Donc je pense que ça sera plus facile que je vous dise après que j'ai travaillé dessus. Parce que c'est... Ouais. Mais on peut regarder celle-là, qualité, ça c'est du 498. Ah, les diamants sont superbes, hein. On a des endos bien plats. Je vois rien qui dépasse là, je vois pas de problème avec les diamants. Non, je vois pas de problème. Et ça c'est, qu'est-ce que ça me dit? Du 500. Et là aussi c'est très foncé. Hein. Il y en a un là qui est pas beau. Non, ça a l'air bien. Ah, il y en a un aussi là que je vois qui n'est pas beau. Mais je veux dire, c'est un dans le sac, quoi. Ouais, il va, je sais pas, il va falloir que je vous donne mon retour sur ça. Ça, c'est joli aussi, hein, comme couleur. Ouais, je vois pas de problème là, avec les diamants. On a de l'orange, du vert. Et c'est joli ces rouges là, très beau. On a différents types de verres. Ah ouais, c'est beau. Les couleurs, j'adore. Ouais, les couleurs sont belles. Et là, ce qui est bien avec cette toile, du coup, c'est que l'arrière-plan, c'est... c'est du des blocs de couleurs. Donc elle va être rapide à faire. Elle va être très rapide parce que ben avec les blocs j'utilise les multiplaceurs. Je vais juste replacer la fiche. Donc la façon dont je replace les fiches comme ça, c'est que j'enlève et je les remets avec une règle. Donc vous voyez, j'ai une règle juste là. Et je viens et je pousse comme ça pour éviter de créer des bulles d'air entre la colle. Et la toile, et là je vois que j'ai, il y a une autre bulle, donc je vais faire la même chose, j'enlève là une partie et je replace le plastique, est bien épais, hein. Je replace le plastique comme ça. Ça, peut-être que ça pourrait être la prochaine toile si vous voulez, parce que ma prochaine, ça allait être une petite à diamant carré, donc je pourrais toujours
travailler sur ça si vous êtes intéressé de savoir la qualité, de savoir ce que j'en pense. Mais j'avoue que c'est pas donné. C'est pas donné pour la taille. Mais regardez, comme j'ai dit, moi de toute manière, je pense que je vais prendre du plaisir à la faire. Elle passe dans le portfolio. J'aime ça quand ça passe dans le portfolio parce que du coup, ben, je les garde. J'essaie pas de les revendre. Parce que quand je finis des grandes grandes, ben, y en a certaines que je veux pas mettre là. Donc j'essaie de les revendre. Mais non, ça je vais garder. Donc c'est ça que je voulais vous présenter dans la vidéo aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Et j'essaierai d'y répondre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.